Alors aujourd'hui, juste un tout petit truc, une petite descente que j'ai trouvée cette année. En gros, on part de là. Ça, c'est l'antenne GSM qui est au-dessus de Châteauneuf-les-Martigues, en-dessus de la carrière même. Bon, ça, vous le connaissez. C'est en descendant le vallon de Valtraide, c'est toute la crête de droite. Bon, là-bas, je laisserai tourner parce que l'embranchement du chemin est très dur à trouver. Voilà, à tout de suite. Ici, la grosse citerne. Bon, celle-là, elle est facile à trouver, donc il n'y a qu'à suivre le chemin. Par contre, le nom du vallon, je ne l'ai pas repéré avant de partir. Je le mettrai en titre des vidéos. Bon, ici un endroit que vous connaissez parce que des fois je monte par là. C'est la fameuse montée qui est très très raide. Ça part de la Valampe. C'est une zone entre Châteauneuf et la Mède. Il y a un pont là, ça part de là. Et d'ailleurs, le chemin que je vais prendre pour descendre, qui est là-bas derrière, eh bien, il arrive aussi quasiment au même endroit. Par contre, on ne peut que le descendre. Comme vous aurez vu ce que c'est bien. Hein, mais on ne peut pas le monter. Les tas de bois pour se repérer. Ah ben, je vais laisser tourner. Comme ça, vous verrez où je vais après les tas de bois. Ça fait des années qu'ils sont là, hein, ils vont pas partir tout de suite. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme chasseur, hein? Là, on va à droite. D'habitude, je vais là et je descends dans le vallon. Et depuis que j'ai trouvé ce chemin-là, eh bien, je préfère ici. Voilà, maintenant, on suit cette piste et je reprends là où ça bifurque. Voilà, 300 mètres plus loin sur cette même piste, on dégage à droite là dans le vallon, sauf qu'ils viennent de débroussailler. Voilà, il est là. Il était impossible à trouver il y a un mois. Ben si, il fallait marcher un peu. Bon, il y a toujours moyen de couper tout droit, mais c'est pas intéressant. Donc on prend le chemin originel. J'ai l'impression qu'il ne tient pas bien le cas. Arrêtez de voir si je peux le resserrer. De toute façon, je reprendrai la vidéo au même endroit. C'est beau là, hein?